Malheureusement, 10 personnes seraient mortes, dont 5 enfants âgés entre 3 et 15 ans, et 4 personnes seraient grièvement blessées dans un incendie dont on ne connaît pas encore les causes. Donc je ne voudrais pas évidemment m'apesantir sur ce point, mais très rapidement, l'enquête, j'en suis sûr, pourra l'évoquer. 180 sapeurs-pompiers sont arrivés dès cette nuit, ont essayé de secourir un maximum de personnes dans des conditions évidemment très, très difficiles. C'est évidemment un choc, vu le bilan extrêmement grave. Je me suis entretenu avec le président de la République tout au long de cette nuit. Et avec le ministre du Logement, je me rendrai sur place dans quelques minutes.